Parce que vous savez, le premier pays qui m'a accordé le visa en 2002, le premier pays européen, c'était la Suisse. Avec 17 Camerounais, je vous ai toujours dit ça. Vous ne m'avez jamais cru. Hein. On n'a jamais cru. Tout ce que, mais sûr que je parle toujours, on dit qu'à là-bas, tu racontes. C'est vrai qu'on dit, ouais, vous dites, tu parles, mais tu ne croyais pas. Hein. Tu disais, quand on t'a tabassé, on ne te croyait pas. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Ah ouais. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Maintenant, alors comme je n'avais pas, je venais ici, ce n'était pas pour rester en Europe. C'était pour, en décembre, je devais être au pays. Mais avec la situation, si je ne peux plus partir au Cameroun. Ça veut dire qu'il me faut prendre une maison. Il me faut prendre une maison ici. Et pas dans n'importe quel quartier, dans un quartier sécurisé. Dans un quartier sécurisé. Donc pour acheter une maison pour le moment, ce n'est pas possible. Je peux d'abord commencer à louer une maison. Je peux commencer par louer une maison dans un quartier sécurisé. Et maintenant, prends un chauffeur pour mes déplacements. Prends un chauffeur et une sécurité. Maintenant, ceux qui me disent, ne marchez plus avec elle, ne marchez plus avec elle. Si vous, qui voulez le chargement, vous mangez chez vous, vous ne m'appelez pas. Vous buvez votre champagne chez vous, vous ne m'appelez pas. Le Simon, viens boire le champagne. Vous Simon, voici quelque chose, va boire le champagne. À la maison. Et que l'autre, comme vous dites, ne marchez plus avec lui. Lui m'appelle, que viens boire le champagne. Je fais comment? Je fais comment? C'est-à-dire, vous voulez le chargement. Vous ne m'invitez jamais. Que ça, il m'en vient manger. Ça, tout ce que vous me dites, c'est je peux faire une photo. Oh, je peux faire une photo. Oh, oh. Tout ce que vous me demandez, c'est la photo. Personne ne dit, ouais, Simon. Oh, vraiment, je ne savais pas que j'allais te voir, pardon. Hein? Voilà 20 euros. Mets ça dans ta poche. Vous savez, si chacun commence à dire qu'il m'oratisse. Je ne savais pas que j'allais te rapporter. Voilà 50 euros. Voilà 20 euros. Voilà 10 euros. Voilà, voilà, voilà. Simon. Simon, c'est-à-dire, je serais seulement assis dans un café aux Champs-Élysées en train de me faire plaisir. Et maintenant, bombarder ces gens-là qui ont confisqué le pouvoir depuis 40 ans. Hein? Parce que vous avez encore vu hier, le temps a montré que le gain ne changera pas. Sa liberté de penser ne changera pas. Quoi qu'on fasse, ma liberté de penser changera quand ce gouvernement quittera de là. C'est ça. Vous êtes déjà des milliardaires. Vous avez des maisons en Europe, aux États-Unis. Vous avez des comptes bancaires bien fournis. Même comme ça ne suffit pas. Comme Ivoire, tu n'avais acheté. C'est 45 milliards en Suisse. 65 milliards en tout. Hein? Tu ne peux que manger qu'un poulet, mais ton estomac est toujours le même. Tu es aussi dessus, aussi cocu. Et puis aussi fatigué, plus cocu qu'avant. Dans la boumie, ça va t'en photo. Vous devez dire ton baou. Vous t'en taquinez. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était aussi malade que l'amour. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Tout l'argent là, vous allez mettre ça. Laissez les autres aussi. Venez aussi manger un peu. Ou venez même voler aussi. Comme arranger le pays. Madame, laissez aussi les autres. Parce que si on faisait comme bon, vous venez, vous faites 10 ans, vous volez, vous partez. D'autres aussi disent, ils volent, ils partent. D'autres, tout le monde sera riche au pays et il n'y aura pas de problème. C'est pas ça. Utilisons un peu ça. Bien sûr. Mais moi, je préfère plutôt qu'on arrange. Puisque quand on dit que voler, ça les gêne, et ils voient qu'ils n'ont jamais volé. Hein? Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui travaille, il a un salaire de 300 000. Mais quand tu regardes ses investissements, il a des investissements de milliards. Il a fait comment? Il a arnaqué les Camerounais. Il a arnaqué les Camerounais. Mais sachez que si on me tue avant la fin de ce procès, sachez que buvez, faites la fête, ne pleurez pas. Pour que le direct ne soit pas long, je vais m'arrêter là, mais je vais revenir. Et je vais vous poster avec le Wacam qui arrive. Parce que si je vous dis ce que l'avocat m'a demandé, la facture de l'avocat, papa, c'est la magie. 30 000 euros. 30 000 euros, hein. La facture, l'avocat m'a dit que vous l'avez déposé ici. 15 000. Vous quittez, allez au Cameroun, déposer. Il me dit qu'on va au Cameroun. Moi, pas au Cameroun. La magie. Moi, pas au Cameroun. Jamais. Et donc, Emmanuel, oui, voilà les vraies étoiles. Mais tu as mélangé ça avec le faux. Mets-moi les vrais, mon frère. Mets-moi les vrais. Hein? Hein? Témoignez votre héros vivant. Faites comme si vous fêtez les 70 ans de votre mère. Hein? Fêtez les 25 ans d'engagement de Laurent Louguet. Les 25 ans d'engagement. Là, maintenant, je ne peux plus aller au pays. Hein? C'est fini. Je ne peux plus.
Les gens l'ont fait, les Camerounais vont maintenant construire à Côte d'Ivoire. Oui, ils vont chercher plein de Camerounais. Les Camerounais vont maintenant acheter les terrains. Les Camerounais vont maintenant acheter les terrains à Côte d'Ivoire, au Gabon. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais ont évité le Cameroun maintenant. À cause du gros cœur. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir, c'est un pervers narcissique. Le gros cœur de certains de nos dirigeants ont attiré mon pays dans la dérive. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Oui. Ah, ils sont waffles. Ils sont au pouvoir depuis des années. Oh. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. Oh. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Faire avant de faire étoile alors. Oui. On les a suppliés. On les a suppliés de les centraliser. Oh. Ils ont décidé que tout passe à Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accorder à Yaoundé. Pourquoi sur l'hôpital à Yabassi? On dit comme ça, mais on croit que c'est la blague. Parce que je suis dans un M, dans un B&B. Tu vois, je suis dans un B&B qui me coûte cher depuis que je suis arrivé. Qui me coûte 50 euros tous les jours. De B&B, c'est B&B, c'est avec tous les sens. B&B. Ça me coûte cher. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Et tout ça, donc mon frère Sikati m'a dit, Longuet, je te crée un PayPal avec Joël, mon frère Joël de Château Rouge. Ils ont dit, Longuet, on va te créer un PayPal et on va t'aider. Donc vraiment, même si c'est 1 euro, 2 euros, mettez dedans. 1 euro, 2 euros, ça va aider. Ça va nous aider à chasser ces égoïstes-là. À chasser ces égoïstes. Merci. Donc, à l'intérieur, Sikati, le premier, je serai à Grenon. Le 16, je serai à Nantes. Le 16, je serai à Nantes. Et le 22, 3 septembre, je serai au Luxembourg. Pour le moment, voilà le programme. Je vous reviens tout à l'heure dans 28 minutes. Allez boire un verre d'eau, hein? Mangez un peu de fruits et revenez. Merci.